Salut, salut et bonjour et bienvenue pour l'Imperium 62 aujourd'hui. Bonjour. Petit pot de peinture donc de layer. J'ai vu le truc avec la langue que tu parlais sur le monde de Nurgle. Ah ok, d'accord. Donc on a un layer Evil Sun Scarlet. C'est flou, désolé. Et après on a un layer Calgar Blue. Bleu et ça c'est quoi, c'est orange. C'est un rouge légèrement rouge orangé, ouais. Bon appétit monsieur Burger King qui est en train de manger, mmh. Et Gogo qui va se mettre dans son petit panier. Enfin bref, trêve de bavardage avec les chats, allons-y, c'est parti. Donc voilà. Bah, je vais faire une petite sieste. Non, désolé, je disais ouais, je parle pas beaucoup, là je parle trop. Vas-y Kev, je te laisse parler. Non, bon, rien à dire. Donc là, on retrouve ici donc, les vétérans Space Marines, donc ceux souvent qui sont au premier chapitre ou les chefs. C'est là-dedans que ça fait un truc. Ouais, ça a bugué d'un coup. Ouais, t'as revenu ouais ça fait une boucle. Écoute, tu vas refaire ce truc avec la langue. Bah, ah, ouais, bah ouais, la vue, ouais. En fait, on y a en fond ouais, la vue. Ouais, on regarde le fond là et. Voilà. On a des références. Parce que je voyais depuis tout à l'heure un truc qui tourne et en boucle. Comme le site a changé, bah du coup, il y a des animations. Voilà. Du coup, vous avez vu le magnifique bureau de Lulu, voilà, en bordel. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, les vétérans, donc, qui sont les chefs, disons, des décennies d'expérience, généralement, ils ont le privilège de rejoindre la première compagnie avec les troupes d'élite. La pause qu'il a, ce genre. Attendez, il faut que je vous montre parce que là, il est... Il vous dit salut de la patte arrière, hein, il est content, hein, la joie, la vie est belle. Ah, je vous jure, c'est chat. Comme dit, ils vont avoir le coup, c'est vite. Ces chats, ils sont folkloriques. Donc, oula, il s'abîme ici. Oh putain, ouais. Colle avec le rond, meurt pas. J'ai avalé ma salive de travers. Ah, bah, quelle idée. Ouais, vas-y. Ouais. Tu mettras les petits trucs là en plastique. Je me demande si j'en ai pas du lycée encore ou du collège. Eh ben. J'ai encore des trucs quoi, du lycée, du collège. Donc, dans la première compagnie, on retrouve donc les vétérans en armure Terminator, pendant les costauds, les vétérans Stenguard. Et les vétérans Vanguard, ceux qui ont les kits dorsaux, et à chaque fois c'est des élites. On verra qu'on fera le déballage après, si on a le temps, Space Marine, c'est de là. Mm-hmm. Le roi silencieux, qui est le chef des Nécrons. C'est le Big Boss, que j'ai toujours pas en figurine, que je jetterai peut-être un jour. Regardez comme il est fait, t'as commandé sur le site. Futur achat, futur cadeau de Noël, il prépare sa liste. Il est un petit peu chaud quand même. Il prépare sa liste. Voilà, Noël. Plus, comme ils ont fait le site, ils ont profité pour monter le prix à discrétion. Hein. C'est un an qu'ils l'ont capté, parce que tous les ans ils annoncent les prix, les machins, l'offre de prix. Sauf que là ils ont fait le site et les prix de certaines figurines ont monté justement, sans qu'ils annoncent. Donc c'était pas très sympa. Il y a 130. Avant, il était 120. Et je m'attendais à plus. Bah, c'est à peu près le prix d'une. C'est un chef. Hein, donc il... Parce que tu en as déjà eu des à 150 euros. Archaon, quand toi, tu me l'avais pris, il faisait 127. Maintenant, il y a 140, 150, je crois. Donc, il y a deux trucs volants ici. Il y a le gros chef ici. On voit qu'il y a deux petits nécrons là, on ne les voit pas, mais il y a deux nécrons standards ici, mm-hmm. Taille normale. Et le chef ici qui est beaucoup plus haut, qui est beaucoup plus grand. Quoi. On voit ici. Hein. Donc, là, tu as deux Nécrons classiques ici, je ne sais pas si on le verra. Mmh. Et au milieu, tu as le chef qui est deux fois la taille d'un Nécron. Ouais. Si c'est un big boss, chef, il va pas être tricky. C'est le chef Nécron, le roi silencieux. C'est que dans la gamme, dans Imperium, on a pas mal de figurines Nécron. Il y a quelques-unes, je dirais limite, qui manquent. Et ça, c'est mal foutu ceci, parce que maintenant, quand tu reviens en arrière, tu vas chaque fois refaire tes réglages. Ce qu'on n'a pas dans la gamme, c'est bon, les trucs comme ça, là, les décors. Les monolithes, on ne les a pas. Mm. Ceux-là, on ne les a pas non plus. Celui-là, on ne l'a pas, le chef. Le grand maraudeur, on ne l'a pas non plus. Tout ce qui est destroyé comme ça au volant, on en aura un, c'est nouveau. Les véhicules volants, on ne les aura pas non plus, à part la barge de bataille, à part celui-là, c'est tout.
Mais lui, on l'aura après, dans les numéros bonus. Il peut pas tout donner non plus. Ouais, mais on a quand même pas parti. Lui, on l'a dans les numéros bonus. Alors, je crois que c'est le 90, lui. Tout ce qui est forgeoir, donc tout ce qui est marqué canet plus, ça c'est du forgeoir dans les apports, c'est normal. Mais sinon, tout, et à part ce on résume, mais tout le reste, on l'a quand même. Donc il y a quand même une bonne partie de la collection, on l'aura aussi dans les numéros bonus. Il est beau celui-là. Ouais, celui-là. Mais ça c'est un Ktan, un Nishard. Bon, là, il y a un une écharde. Bah c'est voilà, c'est parce que c'est pas hein, c'est une écharde de Satan, les anciennes divinités. Ah oui, ouais, c'est bon, ouais, je vois lesquelles tu m'en avais tête, déjà. Tu peux mettre ou cette tête là ou celle-là ou bah, t'as une des tête. Je vois lequel, ouais. Donc, ça, c'est des divinités que les Nécrons ont à servir en fait. Celui-là tu les as pas. Celui-là je l'ai pas. Toi, lui il y a 100 euros là, il a la même taille que l'autre en fait. Donc on a quand même de la gamme Nécron. Je vois, il y a 50 figurines, 51 avec Forgeworld compris, parce que maintenant, ils ont fait un site global qui regroupe Forgeworld, Black Library et tout le reste. Donc sur les 50, on a peut-être 30 avec la collection intérieure. C'est pas mal. Quand même déjà pas mal. Ce qu'on n'a pas, c'est les gros véhicules et les gros chefs. Sinon, tout le reste, on l'a. C'est quand même pas mal. Moi, ouais, t'as déjà de quoi faire, quoi. Pour ouais, déjà pas arrêt. Mal. Plus ceux qu'ils avaient un Domitius, là, ils ont des Nécrons. Plus moi, que j'avais racheté pas mal de Nécrons entre temps. J'ai pas mal de Nécrons. Donc, on a aussi donc, le Triarcos, ça c'est le truc de son règne, son régime. Les Crimson Fast, qui est un chapitre de Space Marine. Et qu'ici, Pedro Cantor, qui est le maître de chapitre. Uriel 20. Le capitaine de la 4e compagnie, et du coup, que j'ai envie de vous montrer ça, c'est pas non. À la recherche de la fifigue. T'as qu'à faire. Il avait sorti en édition Black Library, c'est un roman à son nom. Et après, l'enfant figurine qu'on trouve maintenant sur le site, hein, il est en classique. Donc, c'est un capitaine figurine nommé. Je sais pas si on a des règles spécifiques pour lui, non, je pense pas. Je crois que c'est en capitaine normal. Sur le site, je vais voir s'il y est. Il doit être à une trentaine d'euros, je pense, le plus classique. Et j'essaie de chercher. Bah, je n'ai pas vu ça. Et il est à 32,50. Uniquement en ligne, on peut trouver uniquement en ligne. Il faisait partie des éditions Black Library de 2021. C'était une édition qui était sortie en 2021 et qui continue toujours de vendre sur le site. Des fois, tu as des éditions Black Library que ça va rendre, après t'en auras plus. Puis des fois t'en as qui ressortent. Donc lui c'est le capitaine de la 4e compagnie. On a aussi le maître archiviste, ce que je sors la figurine quoi. C'est toi qui vois moi. Le maître archiviste Varro, bon je vais la sortir, on est dans le truc. D'amour, allons-y. Sort ta fifi. C'est ça, ouais, j'arrive à y accéder, ça va. Est-ce qu'avec les machins de bois, du coup c'est pas pratique. Avec tout un bordel. Il y en a qui s'est suicidé. Ouais. Oh là là. Sergent Terminator qui est mort. Il a tellement eu peur de mon bras qu'il est mort. Alors, le capitaine, il ne fait pas faire l'enfant. le maître archiviste des ultramarines, donc le chef des archivistes. Quoi. Ah oui, lui, il me parle avec là. Ses espèces de câbles sur la tête. Ouais, c'est pour renforcer. Bah, il a, si on le voit. La si coiffe, c'est pour renforcer, c'est pour psychique. Quoi. Le maître archiviste, le chef des archivistes, c'est lui Big Boss. Hein. Hop. Voilà, donc c'est des personnages chefs. Hein. Si on les prend, là on peut aussi, je dirais, les jouer dans Imperium, hein. C'est juste qu'au pire, tu remplaces ton chef par lui, quoi. C'est uniquement pour le représenter. Ou si tu as les règles, tu peux rajouter des trucs en plus. Les Crux Terminator. Donc lui c'est un Terminator lui. Bah non pourtant lui oui mais lui je pense pas. C'est un petit peu les. Ah oui c'est un truc d'histoire d'accord. Dark Angel de la Defunct E, les Iron Warrior E et les Technomanciens.
prendre des déchets. Ok. C'est sorti de l'histoire, ça. On voit ici. J'ai une voiture. On voit ici un chevalier de la Deathwing. Dark Angel. Ici, on voit le Ferrocerbus qui est une machine KO. C'est donc un affrontement entre les troupes du KO et des Dark Angel. Les peintures, donc les petites mises à jour de peinture. Donc, c'est pour faire des éclaircissements. Il me semble aller d'ailleurs. Ouais. Là, c'est pour faire éclaircissement ici au niveau du petit carré là en haut sur leur tête. Mmh. Ouais, au niveau des arêtes, voilà. Pour les mettre en valeur. Ouais. Mmh. On a du coup, par rapport aux ultramarines, ça, je crois. Ouais. Et ici, tu as les mécaniques, ça en va. Le générateur. Faudrait trop que je le peins, ce truc. Arrête. Bah, oui, moi j'en ai trois. Mais normalement, il y en aura un quatrième par la suite, je crois. Donc là, tu as les mécaniques ici, tu vois. Ah, ouais. Ici. C'est le petit. Non, ça c'est le petit. Ouais, c'est le petit. Ouais, mais après, tu peux t'inspirer des codes couleurs du petit pour faire. Après, tu peux très bien, parce que toi, tu veux peindre le chef, là, tu peux très bien utiliser les Imperium pour t'en servir. C'est les mêmes gammes, en fait. Donc voilà, là, avec les éclaircissements, ce que ça donne. C'est vrai que le pain, ça rend quand même mieux. Bah, là, on le voit tout de suite quand Tom Allison était venu. Ah, tiens, vous avez des nouvelles fifigues. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux de plus, deux de nouvelles peintes, mais... Là, le petit gobelin, on l'avait montré cet été, mais je sais pas combien la vidéo. Mais tout de suite, ça donne un petit peps. Puis là, en plus, comme pour l'abomination, j'ai enfin acheté des peintures métalliques, effets métallisés. Bah, à la base, je voulais les peintures caméléon, mais en fait, on s'est trompé dans le kit. Mais bon, les métallisées, elles sont super stylées, elles ont des effets. Si après on a le temps de faire le déballage du passe marine, on montre en même temps. On vous montrera ça. Ma mère, c'est à 3h30 qu'on va aller. Ouais, ça va, tu vas pas mettre 2h pour. Une heure pour. Donc, la guérison. Les règles Space Marine, donc là, c'est discipline obscuration. Donc, c'est tout ce qui est sort, pouvoir psychique, pour l'archiviste. On avait un archiviste avec un premier mot. Donc, là, si on utilise les sorts, c'est ce qu'on peut utiliser pour les pouvoirs. Et l'explication des sorts. Le scénario vétéran, donc la matrice de cristal, c'est le scénario actuel. Avec un grand tapis, donc on utilise deux tapis. Des forces de, alors c'est marqué puissance 50, le briefing, les règles, l'objectif principal, secondaire, je dis comment ça se passe. Dans 63, on aura des renforts Vanguard, donc 1, 2, 3, 4, 5 figurines, qu'on avait dans Ambrolance. Ça m'a rappelé une boîte qu'on a eue contre des espacements du chaos, et ça, c'était la boîte qui sortait les Vanguard en fait. Donc ça, je les ai déjà eues, et du coup, je les ai rendues. Et dans 64, on aura les trackers Necron. Qui est même quitte que les figurines immortelles, c'est les mêmes kits qu'on peut faire dans l'autre. Et voilà ce qui faisait le numéro 62. Donc on se retrouve pour le prochain numéro. À la prochaine, allez, salut!